je vous envoie le paraclet, le messager de notre paix. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis. Il vient au fond de son âme. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Comme nous sommes dans la période de Pentecôte, j'aimerais débuter en récitant une prière à l'Esprit-Saint afin qu'il vienne m'inspirer pour dire exactement ce qu'il veut que je dise, rien de plus, rien de moins, mais surtout qu'il vienne ouvrir vos cœurs afin de pouvoir accueillir l'amour que Jésus veut déverser à l'instant même. Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Et la pensée de ce jour qui nous dit: mon tout petit, ma toute petite, si tu savais la joie qu'il y a au ciel, uniquement, non seulement s'enflamme de plus en plus dans ton cœur, mais qui s'enflamme dans une multitude de cœurs. Et très bientôt, la terre sera complètement transformée, renouvelée, prête à m'accueillir pour mon grand retour. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle centrale, je dirais, de tous les messages pour le bonheur des miens, mes choisis, Jésus, que très bientôt, la terre sera complètement renouvelée. Et ce renouvellement-là passe par la transformation des cœurs. Il passe par notre cœur à nous. C'est d'abord nous qui avons besoin d'être transformés. C'est sûr que toute la transformation du monde, c'est l'œuvre de Dieu. Mais comme il nous a créés à son image et qu'il respecte notre liberté, il ne peut pas venir nous transformer si nous ne lui donnons pas notre oui. Si nous sommes réticents, il a besoin de notre consentement pour pouvoir agir. Et dans la mesure qu'il agit, eh bien là, dans la mesure qu'il a le consentement, c'est-à-dire il agit. Il agit, puis il agit non seulement par toutes sortes d'événements, par ce que nous vivons, de bonnes et de mauvaises choses. Nous avons besoin, pour être transformés, de bonnes et de mauvaises choses. Nous avons, comme il l'a dit dans des messages, il y a deux feux purificateurs sur cette terre. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Comme j'aimais dire parfois à Badina, dans les conférences, lequel vous voulez. Moi, je préfère le feu de son amour. Et plus on va accueillir le feu de son amour, eh bien moins on aura besoin du feu de la souffrance. Et c'est ce feu d'amour-là qui est venu donner au moment de la Pentecôte. Les petites langues de feu, là, qui a mis sur la tête des apôtres qui ont été transformés, eh bien ça, c'était le feu de son amour. C'est ce même feu-là qui est toujours présent, qui est toujours là, et qui va éclater, qui est tout près d'éclater à grandeur du monde pour transformer la terre pour son grand retour dans la gloire. Alors, le message que je vous ai lu dans la pensée du jour, il est extrait du message numéro 5 dans le premier volume. Alors, je ne vous le lirai pas, mais j'aimerais par contre que vous puissiez vous en servir, le prendre, pour le méditer vous-même, pour bien, bien saisir toute l'importance que ça a. Que ce que je comprends de plus en plus, et il parle des témoignages que nous recevons un peu partout à travers le monde, ce que je comprends, c'est que nous avons beaucoup plus d'importance que nous le pensons. Peu importe qui nous sommes, peu importe où, l'effet de donner notre oui, l'effet de lui permettre de nous transformer, non seulement il nous transforme, mais il sert de nous pour aller rejoindre
une multitude de personnes. C'est d'abord dans l'invisible, mais il nous permet de voir des choses aussi visiblement. Alors peut-être qu'à la suite de ce que je viens de dire, qu'il y a des questions, il y a des petits commentaires. Alors si on avait, on pourrait peut-être prendre quelques minutes pour écouter. Est-ce qu'on a des petits commentaires qu'on aimerait souligner? On a eu un commentaire comme quoi que les gens ils ont dit « Oh, quand que vous avez dit que c'est le grand retour, qu'on était pour accueillir le Christ. » Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu passer. Ils ont une joie, c'est une joie immense hein, de l'accueil de ça. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu passer. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, évidemment. Père, envoie ton esprit. Les gens font des prières, hein, des prières avec le cœur. Pour, c'est drôle, il y a tous des petits messages de prières suite à qu'est-ce que vous venez de dire là, pour l'accueil. Je pense que ça vient atteindre beaucoup de gens. Hein. C'est le feu de l'amour. C'est tout des commentaires comme ça là, par rapport à l'Esprit-Saint qu'on a. Merci, Linda. Et justement, j'aimerais profiter de la présence de Linda là, pour qu'elle lui laisse un petit peu la parole parce que ce matin, elle nous a partagé quelque chose, un travail qui a été fait depuis nombre d'années chez les Choisis de Jésus, où on disait il y a des gens qui ne sont pas capables de lire, c'est tellement important ces messages-là qu'ils devraient être, on devrait pouvoir tout simplement les écouter. Alors, il y a des gens qui ont travaillé en France, là, principalement de Marseille, il y a une dame qui a fait tout un travail là-dedans pour rendre ces volumes-là, qu'on puisse juste les écouter. Moi, je dois vous avouer bien humblement, là, ce matin, je suis un petit peu honteux, je les ai jamais, moi-même, je les ai jamais écoutés. Puis là, on entendait le témoignage de Linda ce matin, qui nous disait qu'elle a commencé à les écouter et qu'est-ce que ça produit. Alors j'aimerais peut-être que tu, Linda, que tu nous donnes un mot là-dessus, que tu nous répètes ce que tu nous as dit ce matin sur l'écoute de... Oui. Ben, je vais être un petit peu plus grande. Ah oui, pas de problème. Je vais me chercher une chaise. En fait, c'était pour vous dire comme quoi que j'ai commencé à écouter les livres audio. Je peux vous dire que j'étais vraiment étonnée de l'effet que ça produisait, parce que normalement, j'écoute des émissions comme ça sur Dieu, des témoignages comme ça, puis je travaille. Puis en même temps, je fais la vaisselle, je me promène en écoutant ça. Mais là, écoutez, ça m'a transportée. Pas compliqué, j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait. Puis pourtant, les livres, je les ai relus, et plus qu'une fois, j'ai fait partie de la CAP. Mais en audio, là, c'est pareil comme si ça se passait à l'intérieur de moi. Je vous dis, là, j'en ai lu, j'ai écouté à date, disons, à peu près la moitié du premier livre. Là, et je vous le dis, je vais les finir sûrement en 2 semaines parce que c'est intéressant. Essayez-le. C'est vraiment un must. Vraiment. Merci. Merci, Linda. Alors, tu vois, c'est toi qui est l'instrument du Seigneur pour m'inviter à ce que je les écoute, moi aussi. Parce que j'ai relu les écrits et tout ça, mais l'écoute, je ne l'ai jamais fait. Alors, et puis c'est intéressant de voir comment est-ce que le Seigneur se sert, l'Esprit Saint qui travaille dans les cœurs. De temps en temps, il sert d'un, il sert de l'autre pour nous permettre de faire des découvertes. Puis, j'aimerais revenir sur un point que, oui? Ben, on a une question. Oui? Vous n'avez pas vu passer. On a une question de Marie-Lou Bergeron. Oui? Est-ce que tu te sens en main, non? Non. Donc, je vois pas. Elle dit, parlez-nous-en de l'Esprit-Saint. Qui il est? C'est épatant. Bon, mais moi, la meilleure façon, j'ai l'impression que l'Esprit Saint, c'est le fruit de l'amour qui circule entre le Père et le Fils. En tout cas, c'est mon image, là. C'est que l'état de perfection qui existe entre le Père et le Fils, l'amour qui est tellement grand, qui passe à travers l'Esprit et l'Esprit Saint, et naturellement, moi comme vous,
je peux pas dire que je l'ai rencontré puis qu'il est venu me fournir des explications. C'est tout simplement que je suis bien témoin de son agir. Et son, il agit sans faire de bruit. On a donné souvent beaucoup d'images à l'Esprit Saint, que ce soit la colombe, que ce soit le feu, que ce soit le vent. Et c'est un peu tout ça. Chaussure, c'est qu'il est là continuellement pour nous inspirer. Hein? Moi, je dis, par exemple, comme si ces livres-là existent, c'est sûr que c'est à cause de Jésus-Eucharistie, parce que après avoir décidé de me nourrir de Jésus-Eucharistie. Mais c'est définitivement l'Esprit-Saint qui m'a inspiré à écrire alors que je n'avais rien à dire. C'est encore lui qui m'inspire au moment où je vous parle. Je fais confiance à lui pour m'inspirer, et puis c'est lui aussi qui ouvre nos cœurs, et c'est lui qui va renouveler. Parce que quand on dit que la terre doit être renouvelée pour accueillir Jésus dans sa gloire, c'est pas humain. C'est avec nos yeux humains, on dirait, ben non, c'est pas possible. Regarde comment est-ce que le monde est perverti, puis regarde tout le mal qui se fait, puis etc., etc. Mais lui, l'Esprit-Saint, a la possibilité de renouveler un cœur. Puis quand un cœur est renouvelé, c'est un être nouveau qui renaît. C'est un couple nouveau qui se met en marche. C'est une famille nouvelle, c'est une église, c'est une église nouvelle qui se met en marche, c'est un peuple nouveau qui se met en marche. Alors ça, tout doit être, on doit en remettre continuellement à lui. Et l'Esprit-Saint agit aussi à travers tous les saints et saintes. Nous avions parlé de ça la semaine dernière, de la communion des saints, où on peut parler de l'église militante dans l'invisible. Ils sont très nombreux à nous accompagner. Puis aujourd'hui, comme c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, j'aimerais vous en dire un mot. Parce que Saint-Antoine, là, moi, ben bon, mon nom c'est Joseph-Antoine Léandre, et puis mon nom de baptême, alors j'ai toujours eu une dévotion particulière à Saint-Antoine, ou aux deux Saint-Antoine, il y a le Saint-Antoine Père Abbé, puis il y a Saint-Antoine de Padoue. Mais Saint-Antoine de Padoue, je m'en suis servi à maintes et maintes occasions pour trouver mes objets. Ça, c'était le début. Dès étant jeune, on m'avait dit ça. Puis, il m'en a trouvé. Il a trouvé, si j'avais écrit, je crois que je pourrais avoir pratiquement un livre si j'avais raconté toutes les fois où il m'a trouvé des objets perdus. Parfois, dans des circonstances invraisemblables. Hein? Je pense, par exemple, avoir perdu mes clés une fois en hiver devant de la neige folle, là, tu sais, un paquet de neige. Écoute, comment tu veux retrouver ça? Et je prie Saint-Antoine, puis tout à coup, hop, mes clés sont là. Hein? Et j'ai une belle petite expérience sur Saint-Antoine que je voulais vous relater dans le livre « Grand-papa Léandre raconte ». Puis peut-être avant, je pourrais peut-être prendre quelques minutes pour vous expliquer comment l'Esprit-Saint s'est pris pour que j'arrive à écrire ce livre-là, ce petit livre-là, parce que j'avais jamais pensé d'écrire un livre pour les enfants, raconter des histoires. C'est sûr que nous avons eu nos enfants, nos petits-enfants, et puis un jour, nous avons un petit-fils qui s'appelle Édouard, qui avait 6 ans, qui commençait à l'école. Aujourd'hui, il a 22 ans, là. Ça me donne une idée dans le temps. Et sa mère, qui est notre belle-fille, elle dit, elle partage avec Élisabeth pour dire, je sais pas quoi faire avec Édouard. Parce que ça fait quelques jours qu'il va à l'école et à la maison, il veut rien faire. Il veut pas faire, ni faire ses devoirs, ni étudier ses leçons. Ça ne l'intéresse pas, il veut rien faire. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle voulait avoir les conseils d'Élisabeth qui a passé sa vie dans l'éducation. Et Élisabeth m'en parle. Et puis moi, je dis, il était chez nous au chalet l'été, bien, c'est-à-dire au début de la saison, dans septembre. Alors, j'ai dit, tout à coup, j'ai dit, Édouard, viens ici. Moi, je suis inspiré, justement, c'est l'Esprit-Saint sans doute qui m'a inspiré, là encore. Hein. Viens ici, j'aurai une histoire pour toi. Une histoire, un enfant, ça l'intéresse. Alors, j'ai dit, je commence à lui raconter l'histoire du petit gars puis de la petite fille qui vont à l'école le même, qui commence à aller à l'école le même matin. Puis pour pas qu'ils se reconnaissent, je dis que le petit garçon, il aime étudier puis aime faire ses devoirs puis ses leçons. Puis la petite fille, elle veut rien faire, elle. Puis là, je vous décris tout ce qui est bon de voir, tout ce que ça produit de bon quand on fait ce qu'on a à faire.
Puis tout ce que ça produit de mauvais quand on le fait pas, hein? Ce qui est bon, ben c'est la reconnaissance, c'est de savoir qu'on pose une question qu'on est capable de répondre, c'est les étoiles dans le cahier, c'est la félicitation des parents, des grands-parents, des professeurs. Puis quand on le fait pas, ben c'est tout l'inverse. Et puis bon, en tout cas, là il m'écoute, il a les yeux grands même. Et après, elle dit, jamais il a dit qu'il ne voulait pas faire ses devoirs, ses leçons. Ça a été complètement changé, il a fait une bonne année. Et dans la même année, nous partions, Elisabeth et moi, 3 semaines pour une période de repos et de prière, là, de vacances. Et puis, je parle avec sa mère avant de partir. Puis elle me dit, écoute là, puis j'amenais de coucher 3 petits gars. Amenait d'aller coucher, puis pour moi, ça avait brassé, là. Parce qu'elle dit, écoute, elle dit, là, tu pars en vacances, là, tu pourrais pas leur composer une histoire pour qu'ils arrêtent de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. J'ai beau essayer de leur inculquer ça, je suis pas capable. Mais toi, quand tu racontes une histoire, ça a l'air à produire des fruits. Alors, tu pourrais-tu leur composer une histoire pour ça? Ben, j'ai dit, peut-être. J'ai apporté mon petit ordinateur. Et puis, j'ai écrit l'histoire du petit gars et la petite fille qui vont à l'école. Puis, il y avait une autre histoire que j'aimais bien raconter au tout petit pour inviter à l'obéissance, là, pour au tout petit, à partir du petit coq avec la maman poule qui a désobéi à sa maman. Qu'est-ce que ça crée, la désobéissance? Pour inviter à l'obéissance. Puis, en même temps, ben, je compose une autre histoire pour éviter de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. Comme à l'accoutumée, après que j'ai écrit ces 3 histoires-là, je les passe à Elisabeth pour qu'elle corrige mes fautes. Et puis, elle, à ma grande surprise, elle jubile. Je pense que je ne l'ai jamais vue jubiler de même. Elle dit, faut peut-être parce qu'elle avait passé sa vie dans l'éducation, comme institutrice, mère et grand-mère, elle dit, faut que tu n'écrives d'autres. J'ai dit, non, mais j'écris 3. C'est assez. Non, faut que tu n'écrives d'autres, faut que tu n'écrives d'autres. Voyez-vous, l'Esprit Saint, sans doute, qui a passé par elle, là, pour me dire que je dois l'écrire. Fait, j'ai dit, bon, ben, Seigneur, Esprit Saint, si tu veux que j'écris une histoire, d'autres histoires, ben, inspire-moi. Et finalement, ça l'a produit 15 histoires. Et un jeune, qui est très talentueux, a tout mis il a mis toutes ces histoires-là en images. C'est même qui peuvent être coloriées. Et ces histoires-là sont tellement bonnes qu'elles sont tellement parlantes, là. Juste l'histoire qu'on prend, là, le petit gars et la petite fille qui commencent à l'école le matin, là. Puis là, c'est la petite fille qui est studieuse, puis le petit gars qui ne l'est pas. Si vous regardez juste de quelle façon qu'il est, de quelle façon que c'est parlant, et puis quand on les retrouve à l'école, après ça, l'intérêt qu'a la petite fille, et l'intérêt, et où sont les pensées du petit garçon qui est à l'école, qui n'est pas intéressé, tu sais. Alors, en tout cas, puis là, après ça, de la transformation, tout ça. Et dans la 13e et la 14e histoire, c'est du vécu, c'est raconté avec mes petits-enfants. Et puis, il y en a une, justement, qui touche que dans la communion des saints, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, Saint-Antoine de Padoue. Nous sommes, j'ai là où est ce que j'appelle ma cabane, là. Et puis, mais dans le temps, c'est un camp que nous avons là, avec une remise, une remise, et puis, j'ai fait dans l'eau d'une remise un petit endroit pour que les enfants puissent s'amuser, un genre de petit camp, puis eux-mêmes travaillaient. Puis là, j'avais 2 petits bricoleurs et qui aimaient, puis à chaque fois qu'ils arrivent, c'est mon marteau, puis les clous, puis la scie, puis là, ils font leur camp à l'intérieur. Puis à l'automne. Et là, à un moment donné, il arrive qu'il y a beaucoup de feuilles. Il y en a un, et là, il m'arrive, puis il dit, grand-papa, on a perdu ton marteau. Ah oui? Bon. Alors, on va aller le trouver. Fait qu'on voit quelques adultes. Et puis, on cherche. Tiens, voyez-vous, ici, c'est l'image du, quand on cherche, les petits gars qui cherchent le marteau. Et puis, on est 3-4 adultes à chercher, déplacer les feuilles, tout ça. Trouve pas le marteau. Et là, je me dis, est-ce que je dois leur parler de Saint-Antoine? Pour commencer, j'ai un petit peu d'hésitation. Est-ce que c'est bon? Hein? Finalement, je leur dis, écoutez, moi, là, l'expérience de vie que j'ai,
C'est quand je trouve pas, je le confie à Saint-Antoine, et puis lui, on va le confier à Saint-Antoine, il devrait nous le trouver. Fait que là, on continue à chercher, on trouve pas le marteau. On continue à chercher un peu, on trouve pas le marteau, et puis on nous dit que le repas est prêt au camp, fait que là, c'est le temps d'entrer, faut qu'on oublie ça, là. Et puis on part, puis on s'en va dans le camp. Je suis juste entré dans le camp et que je vois apparaître un petit, Jérôme, qui a 4 ans, qui arrive avec le marteau, puis dit « Grand-papa, j'ai trouvé ton marteau. » Hein? Attends un petit peu, là. Toi, là, nous autres, on l'a cherché pendant, avec des adultes. Ça fait un bon bout de temps à fouiller tous les feuilles, puis on ne l'a pas trouvé, puis toi, tu le trouves. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'ai dit « Sors dehors, explique-moi qu'est-ce que tu as fait. » Ben, il dit « Je m'en venais, là, pour le repas. » Puis il dit, ça m'a dit, va chercher le marteau. Fait qu'il dit, je me suis en allé là, j'ai tassé les feuilles, j'ai pris le marteau. Puis il dit, j'ai le marteau. Alors voyez-vous, là, c'était tellement évident, c'était pas possible pour un enfant de trouver si c'était pas l'agir, guidé par l'Esprit-Saint, et puis en se servant encore une fois de Saint-Antoine de Padoue. Alors bon, alors j'arrête pour vous le donner là. Karen demande, est-ce qu'on peut demander à Saint-Antoine de Padoue de regagner un amour perdu? Il y avait aussi... Je dirais à cette question-là, Marco. Ben oui, on peut tout lui demander. Ben oui, pourquoi pas? Tim Mallet demande des prières pour les gens qui sont dans la misère, OK? Parce que eux, ce sont des travailleurs sociaux, puis ils demandent à être guidés, puis pour guider les autres, tout ça. Puis c'était sous l'Esprit-Saint, quand que vous avez parlé de l'Esprit-Saint tantôt, peut-être qu'on pourrait leur recommander quelque chose, comment être guidé par l'Esprit-Saint, là. Peut-être que vous pourriez leur suggérer quelque chose comme ça, là, parce que eux sont des travailleurs sociaux, puis ils aident les autres. Fait que dans leur milieu du travail, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Puis, une autre chose aussi, c'est est-ce qu'il y a parmi les 7 dons de l'Esprit-Saint, est-ce qu'il y en a un en particulier qu'on devrait demander, qui serait meilleur? C'était les questions qu'on a pour vous. Oui. Bon. Alors, pour revenir, tu as dit dans le premier temps... C'était pour des travailleurs. Alors, les travailleurs, bon. Oui. C'est que... Moi, ce que je comprends, là, sur ce plan-là, là, puis c'est ça, je pense, c'est un enseignement qui est très important. Nous sommes entrés dans un monde, nous vivons dans un monde où on a mis accent sur l'agir. Et on a tendance à tout centraliser autour de l'agir. Puis on demande des lumières pour bien agir. Puis c'est qui est bien, c'est correct, là. Mais ce qui est mieux que ça, c'est l'être. C'est la transformation de l'être. Alors, on a demandé, la première chose de chaque professeur, chaque personne qui veut transmettre l'amour aux autres, qu'il demande de devenir amoureux, de se laisser transformer. Puis là, l'amour va passer à travers cette personne-là pour rejoindre les autres. Parce qu'autrement, d'ailleurs, comme il est dit dans ces livres-là, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre puis donner. T'sais? Je peux prendre un verre, c'est pas comme un verre d'eau que tu prends et tu le donnes à quelqu'un. L'amour, c'est si au passage, il ne m'a pas transformé, je ne peux pas le donner. Alors donc, d'où l'importance de se laisser transformer d'abord, pour après ça, être réellement guidé et à chaque fois, demander à l'Esprit-Saint. Comme il m'a dit dans un qu'on a vu récemment aussi, c'est qu'il me disait, si tu me demandais, tu demandais à l'Esprit-Saint de t'aider, de t'éclairer avant de décider, tu aurais des meilleurs résultats que si tu décides, tu fais des choses, tu fais des mauvaises choses, puis après tu demandes à l'Esprit-Saint de venir t'aider. Bon, t'es enfargé, il va faire tout ce qu'il peut, mais ce serait bien plus facile de le demander au début. Faire confiance que l'Esprit-Saint va te guider. Et faites l'expérience en prenant du temps avec lui, en prenant du temps pour le prier, de le guider, de vous demander de vous guider, puis il va vous guider continuellement. Vous allez vous sentir inspiré et vous allez vous sentir aussi qu'il passe
Puis à ce moment-là, ça ne crée pas de conflit. C'est dans la douceur. C'est dans la... Et l'autre point que tu disais, c'était le... On demandait, est-ce qu'on peut demander les 7 dons de l'Esprit Saint ou un seul? Ou lequel, il y en avait un, c'était lequel qui était le plus important? C'est que je pense que tous les dons de l'Esprit Saint sont importants, mais moi, je pense qu'ils passent d'abord par l'humilité. Comme on l'a vu dans le message du 3 janvier 2 janvier 2003, qu'on a déjà passé, je pense, ensemble ici. Le monde s'est égaré par le péché d'orgueil. Le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Puis là, ça l'a entraîné toutes les autres vices qu'on connaît, libertinage, impureté, idolâtrie, magie, haine, discorde, tout ce que vous voulez. Bon. Tandis que les fruits de l'esprit, ils passent d'abord par l'humilité. Et c'est l'humilité, c'est le centre même, je dirais, c'est la fondation de l'œuvre des choisis de Jésus, l'humilité qui attire après ça les autres grâces, les autres dons, la force, l'intelligence, le discernement, etc., etc. Alors, je pense qu'on a demandé... Moi, il y a 3 grâces que je demande, que nous demandons régulièrement, Elisabeth et moi, au Seigneur, l'humilité, l'abandon, puis la confiance. Puis avec ça, on s'aperçoit que le Seigneur fait des merveilles. Je pense que ça répond aux questions. Oui? Ah oui, oui, les gens sont très, très contents. Vraiment, on répond... est-ce qu'on peut... Delphia, Antoinine, est-ce qu'on peut demander à Saint-Antoine de me faire retrouver les choses perdues? Comme elle demandait ça. Oui. Donc là, oui. Vous avez répondu oui. Il y a aussi Marie-Lou qui répond la force de la sagesse. Est-ce qu'on peut demander la force de la sagesse? Hein? C'est, oui. Est-ce que l'Esprit-Saint agit tout de suite ou il prend un temps pour agir? Ça, c'est la grande question. Moi, je pense qu'il agit à son temps. Et non, non. Alors, c'est sûr que quand on demande une grâce au Seigneur, il entend, il n'est pas jour, il va nous exaucer. Quand, où, comment, ça, je ne sais pas. C'est son bout à lui et on ne le sait pas. Mais on a à faire confiance. Et un des bons moyens un des bons moyens pour favoriser son action, c'est de commencer à le louer déjà, à lui rendre grâce pour ce qu'il va accomplir. Puis être prêt aussi à ce que ça prenne du temps. Être prêt à accueillir aussi bien que ça répond pas tout de suite, si c'est pas... C'est parce que lui, il sait ce dont il a de besoin, ce dont on a de besoin. Voyez-vous, c'est que il y a dans les enseignements un point là qui est très important, que moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que le Seigneur a le même objectif que nous. Il nous veut heureux. Bon, on veut être heureux, le Seigneur aussi, il veut ça. Bon, on veut être heureux. Par contre, il nous veut heureux. La différence, c'est en termes de priorité. Nous cherchons à être heureux maintenant, parfois en ne se préoccupant pas des conséquences à moyen et long terme, puis souvent en oubliant notre vie éternelle. Mais lui, qui a une autre vision, il nous veut heureux avec lui pendant toute l'éternité. Ça, c'est sa priorité. Deuxièmement, il nous veut heureux à moyen et long terme. Puis, à troisièmement, il nous veut heureux maintenant. Mais il ne pourrait pas répondre de nous rendre heureux maintenant quelque chose qui compromettrait notre bonheur éternel. Parce que lui, ce qu'il nous veut, c'est qu'il nous veut avec lui pendant toute l'éternité. Parce que ça, il semble que c'est long, longtemps, l'éternité. Alors donc, on lui fait confiance, sachant que oui, il va nous exaucer. Et s'il permet... Et s'il ne me permet pas d'avoir une telle grâce aujourd'hui, c'est peut-être que je ne dois pas l'avoir, c'est peut-être d'autres choses d'autres qu'il veut me donner. Puis, sa façon de penser, comme j'ai souvent dit à Badina, moi, le seul problème que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est dans la mesure où que j'accepte que ma volonté, que sa volonté est priorité sur la mienne, que je suis témoin des merveilles qu'il accomplit. Jour après jour, je dirais même instant après instant. Oui. Alors, je pense que le temps est arrivé de conclure. Est-ce qu'il y a
D'autres points? Le temps est arrivé de conclure. Puis, il y a quelqu'un qui dit, là, Tim Mallet, l'échange d'aujourd'hui est une grâce. Alléluia. alors, terminons avec ça en disant, en remerciant au Seigneur de nous avoir envoyé son esprit, mais non seulement de nous l'avoir envoyé, mais de nous l'envoyer régulièrement, jour après jour, instant après instant. Il y a pas, l'Esprit Saint est actif, il ne dort pas, il n'y a pas besoin de repos, il est là continuellement. Et déjà, on le rend grâce, on le bénit pour ce qu'il accomplit. Et surtout, cette grâce, moi, je tiens à ce que le remercier, puis je voudrais que tous les choisis de Jésus vous le remerciez avec moi pour cette faveur qu'il nous fait d'être témoin de son agir jour après jour et de voir les transformations qu'il fait en nous. Et là, lorsqu'on regarde les transformations qu'il fait en nous, ça nous donne l'espérance que oui, il peut transformer l'univers entier. Et cette terre, il peut construire cette terre nouvelle pour préparer son grand retour. Et nous lui disons, nous disons tous ensemble en terminant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Le messager de notre paix, je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis.